voici ici. Les voici. Assez, assez de cœur. Les voici. Si bien tu veux, hein? Je veux le ministre de la communication. Les voici en train de célébrer, hein? Ils sont en train de célébrer la mort. Moi, je vous dis que ça n'a rien à voir. On va regarder d'abord. C'est la vidéo, hein? Tu vas voir la vidéo. Adieu, allez. Toujours. Ok. Moi, je le dis, hein. Vous savez, moi, la guerre, je ne cache pas. Je ne cache pas mes mots. Ce n'est pas une histoire de célébrer Patrick Hachi parce qu'il est premier ministre. Voilà. Ce n'est pas une histoire de ça. C'est une histoire de célébrer, de boucler la mission qui a été faite. Oui, Amadou Gon Koulibaly a été celui qu'on a pris, on a sacrifié pour ouvrir cette mission. Et Ahmed Bakayoko est la personne qu'ils ont sacrifié pour clôturer leur mission. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de célébrer. Vous êtes en train d'être content. Vous êtes en train de boucler. Sinon, pour moi, la guerre, je ne vois pas quelle est l'urgence. Champagne à gogo, hein. En train de célébrer la mort de Ahmed Bakayoko, c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Vous êtes en train de célébrer sa mort. Vous êtes heureux. Vous êtes content. Mbak est parti. Oui, c'est Patrick Hachi qui est là. Mais ce que Patrick Hachi oublie, c'est que la roue là, elle tourne. Hein? Moi, je ne te souhaite rien de mauvais. Je ne te souhaite absolument rien de mauvais. Mais la manière dont tu es content, tu es en train de célébrer ta venue en tant que premier ministre, sachant bien que c'est toi qui as assuré l'intérim de deux premiers ministres. Et les deux premiers ministres ont perdu leur vie. Patrick Hachi, même si Alassane Draman Ouattara te dit de faire une réception, de faire une cérémonie, tu dois être quand même intelligent. Tu dois être quand même être quelqu'un qui allait avoir une ouverture d'esprit. Tu devais être la personne pour dire non, on vient de perdre. Voilà Ahmed Bakayoko, celui que j'assurais son intérim, ça fait même pas combien? Même pas un mois, quelques jours, même pas, peut-être deux semaines de cela. Voilà, on vient de le perdre. Est-ce qu'on avait besoin d'aller célébrer Patrick Hachi pour dire parce que il est premier ministre, on doit les célébrer. Quel message vous envoyez? Et dans le même temps, vous êtes en train de traquer les pro-Mbak. Dans le même temps, vous êtes en train de traquer les partisans de Ahmed Bakayoko. C'est ça, je vous dis. Hein? Je vous dis que Alassane Draman Ouattara n'a jamais été quelqu'un qui va rassembler les Ivoiriens. Il ne l'a jamais fait. Il ne va jamais le faire. Et j'ai l'impression que nous-mêmes qui sommes soroïstes là, nous-mêmes qui avons cogné Ahmed Bakayoko, pas parce que nous détestons Ahmed Bakayoko, mais parce que nous n'étions pas OK avec la manière dont Mbak se comportait, voilà, et gérait. J'ai l'impression que nous avons montré plus d'amour, plus de compassion pour la mort de Ahmed Bakayoko que même les personnes du RHDP avec qui il mangeait, avec qui il buvait, avec qui et ceux pour qui il a eu à mener ce combat. Aujourd'hui, c'est dommage. C'est le RHDP qui devait montrer. Ce sont eux qui devaient montrer qu'ils ont mal. Ce sont eux qui devaient montrer que la mort de Ahmed Bakayoko les a touchés, pardon. Mais eux, ils ne sont pas inquiétés. Patrick Hachi, il est en train de fêter. Voilà. La victoire, il est premier ministre. Mais premier ministre là pour combien de temps? Moi,
Moi, je le dis que le pouvoir de Alassane Draman Ouattara, ça va prendre fin par la grâce de Dieu. Le pouvoir de Alassane Draman Ouattara, ça va prendre fin. Donc, tu es en train de célébrer quoi? Tu veux montrer quoi? Il y a des gens qui ont tout eu. Qu'est-ce que Ambak n'a pas eu? Aujourd'hui, il est où? Ayez un peu de compassion, un peu d'amour, un peu de... Faites un peu semblant, même si vous pouvez. Je sais que c'est plus fort que vous. Vous êtes heureux que vous êtes débarrassé de Ahmed Bakayoko. Mais faites semblant. Montrez quand même que ce monsieur qu'on vient d'enterrer à peine quelques jours, à peine 2 semaines de cela, il vous manque. Mais c'est le champagne à gogo, c'est la joie et tout. Je vais revenir maintenant sur cette dame, mamie bulldozer. Vous voyez, voici M. Patrick Achi qui est là, à la fête. Vous voyez? Maintenant, on va mettre la musique. La musique où vous dansiez tranquillement. Vous étiez à l'aise. Voici des gens qui disent qu'ils pleurent en bac. Et ils vont danser. Ils vont jouir, n'est-ce pas, des cigares. Ils vont se mettre à l'aise. En bac a été oublié déjà. Oui, il a été oublié déjà. Pas hier, là. Non, mais on doit avoir. C'est-à-dire qu'on doit être sobre. La sobriété par rapport à l'événement, 2 premiers ministres qui sont décédés. Mais tous les cas du RHDP ont afflué chez vous, dans votre résidence, pour les fêter, pour les danser. Vous avez en bac. Je montre la vidéo. Partagez-moi les bêtises, là, s'il vous plaît. Et encore, j'oubliais. Maintenant, comment une campagne pour Patrick Hachi? Une campagne en disant Patrick Hachi maintenant, c'est-à-dire que ils ont créé le club de soutien pour Ambak. Ils ont créé le club de soutien pour Ambak. Voilà. Maintenant, c'est Patrick Hachi maintenant. Voilà. Club de soutien pour Patrick Hachi. Génération Hachi Patrick. Maintenant, ce n'est plus Ambak. Ce n'est plus Ahmed Bakayoko. Ces coqs morts ont décidé de jeter l'aide dévolue sur Patrick Hachi. Et donc, monsieur Patrick Hachi, vous êtes assis sur un fauteuil mortifère. Un fauteuil de mort. Amadou Gon, Ahmed Bakayoko. Et vous aujourd'hui, vous allez fêter votre domination. Vous pensez qu'aujourd'hui, les pro-Ambak, les pro-Amadou Gon sont contents de vous? Non. C'est l'hypocrisie. C'est le bien beau sortir. Parce que ceux-là, ils sont là. Avec M. Fiol, photocopie, ils vont vous frapper. On va écouter maintenant la vidéo. Votre vidéo de votre belle fête. Votre fête qui était bien arrosée. On y va. Patrick Hachi qui est là. Regardez. Voilà. J'ai la vidéo. Une grande fête. Organisée, je vois, à domicile hier. Mais ils ont fait toute la vidéo. Mais moi, j'ai la vidéo. Là où vous dansiez. Là où vous étiez à l'aise. Donc, en bas, il est mort cadeau alors. Ayez. Pensez une chose, que Ambak, il est mort il n'y a même pas 2 semaines.